Avant de refermer ce journal, l'image spectaculaire de ce que les scientifiques ont appelé la main de Dieu, une photo capturée par un télescope à rayon X de la NASA et qui résulte de l'explosion d'une étoile, on peut y distinguer une main, ce qui explique donc son nom. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, de grands signes dans le ciel. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme.